Je suis où là? Ah ouais, chez moi. Foutu, bordel. Oh, mais c'est immonde. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait de ma soirée, bordel de merde. Mettez-les deux. Mettez-les, putain. Et vous écoutez, on refait le monde. Tout de suite, Johnny Hallyday. Ouais, Axel. Oh ouais, putain, quelle soirée de ouf. Oui, super Marie, je suis super content que tu me répondes. J'ai un masta problème. T'aurais aucun souvenir de là où j'aurais pu foutre ma clé ou ma bagnole? Oh putain, le con. Bah non, désolé, je sais pas où elle est. Par contre, j'ai peut-être la solution pour toi. Tu te souviens quand j'avais fait la soirée à la maison et que j'avais perdu mon chien, Michael? Ouais. Bah en fait, j'ai fait appel à un expert. Alors, on l'appelle le détective de la soirée, mais putain, mec, ce mec, c'est un ouf. Mais je te promets une chose, c'est que tu vas tout retrouver avec lui. Je suis super content que vous soyez venu. Vous avez déjà rangé? Je vois que non. Parfait. Alors, je veux qu'on m'explique ça, ça et surtout ça. Alors, ça, c'est un faux. Ah ouais. Ensuite, oui. Ça, Ah pardon, c'est une vraie. Quoi? Tu veux que je t'aide? Ouais. Bah alors laisse faire le pro. Et puis, c'est pour mettre en immergence. En immersion? C'est pas pour les liquides, ça? Bah vous buvez des liquides, là, non? Bah immergif, alors. Immersif? C'est pas pour les sous-marins? Mon voisin s'appelle marin. Et son râteau est rien. Quoi? Non, rien. Bon, c'est ici qu'a eu lieu la fête? Ouais. J'ai fait une petite fête dans tout l'appartement pour mes 25 ans. Joyeux 25 ans. J'en ai 26, en fait. Ouais, je suis un peu à la bourre. Ok. Ça va? Ouais. En tout cas, tu sais t'y prendre en matière de soirée, hein? Ça va bien, je suis couché. Pas malin, fieu. Ah ouais, non, en fait. Oh
Wow. C'est vous, mon prince charmant ? Chut. Enquête policière. Mais pourquoi tout le monde me chute ? Oh. Je sais ce qui s'est passé. Tu veux savoir ? Si ça aide, oui. Elle a vomi. Et toi, respectueux comme t'es, et comme un boulet, t'as continué à espérer, tu lui as tenu les cheveux. Par contre, tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as foutu en soutien-gorge ? Ah non, non. Petit goût d'ammoniac. Je sais ce qui s'est passé. En fait, c'est elle qui t'a décoloré les cheveux. Et elle a eu des nausées, elle a commencé à vomir. Tu me laisses pas. Promis. Jamais. C'est une promesse. Non, mais c'est parce que ce soir, au pieu, je crois que ça va pas le faire, non. Chercher des bières et puis on revient, ok, okay. D'accord. Et t'oublies pas, quoi, tu dois rester le maître de la soirée, ok. Allez, viens. Je sais où on doit aller. Ok, c'est parti. Désolé. Je crois comprendre. Vous avez dû passer par ici. Ouais, t'es bien passé ici avec ta meilleure amie. Salut Damien, je te présente mon pote Axel. Allez. Bon, en fait, je t'explique, on fait une petite soirée là, ouais. Et ben, on est en rade de bière, donc je sais pas si tu pourrais nous dépanner. Oh, combien ? Combien ? Bah, je sais pas combien. 5-6, je sais pas. 5-6, t'es con, quoi, on est beaucoup plus que ça. Je sais pas, mais en peut-être une vingtaine. Bon, qu'est-ce que t'as ? J'ai de la belle force. Ah ouais, c'est parce que j'ai une passion. Ma mère, elle jouait avec mes boules. Ta mère, c'est une pute, quoi. Bon, tu peux déjà mettre celle-là. Ouais, d'accord. Et Axel, qu'est-ce qu'on prend ? Oh, c'est bon, vous êtes relous, là, les mecs. Hein. Donc, tu peux mettre une belle pute. Ouais, tu peux une mettre, belle pute. On met quoi ? Esperador ? Oh, espèce de connard ! Meuf, et on y va maintenant. Allez, c'est bon. Salut. Ok, ça c'est bon. Ma caisse, elle est où ? T'inquiète, j'ai compris ce que t'as fait hier soir. Allez, on est parti. Et là, voilà ta voiture. À peine à 100 mètres de chez toi. Ok. Et les clés ? Je te le donne en 1000, à l'intérieur. Plus que deux petites choses. 1, tu restes le maître de ta soirée. Et 2, bah ça fera 50 euros. En tout cas, le détective, il était chaud hier, hein. Ouais. T'irais pas dire à Axel qu'il faudrait qu'il se décolore les cheveux ? Non, mieux ! T'irais pas décolorer les cheveux d'Axel ? Oh, ouais ! Pas dire à Axel qui reste le maître de la soirée. Ouais. Tu vois le petit blondinet là-bas ? Je l'ai entendu dire tout à l'heure que si t'aimais bien jouer au billard, c'est parce que t'avais perdu ta queue et que ta mère aimait bien jouer avec tes boules. C'est une blague. T'irais pas décolorer les cheveux de toi.
Bah non, tu sais, on va tourner sans boire et puis d'un coup, ça a complètement pété les plombs. Ça peut, ça.